Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The John. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lightning Fast. Il y a eu pendant un petit moment, le jeu a eu une mise à jour et il n'y avait plus de serveur. On m'a demandé comment faire, mais je ne pouvais pas répondre, c'est à cause de la mise à jour. Et là je regardais un peu tous les jours pour voir si ça refonctionnait. Et là les serveurs ils sont revenus, donc si vous voyez la vidéo, vous pouvez y venir, vous pouvez y jouer normalement. Les serveurs sont de retour. Donc voilà, on va pouvoir continuer à essayer à découvrir d'autres bêtes ou essayer des autres attaques. On m'a dit en commentaire qu'on pouvait grimper dans les arbres, donc on va les tester. Justement, il y a un arbre devant moi, là. Là, toi, là. Tu vas être mon cobaye. Ouais, ouais, toi. Toi. Oh, regarde, attention, mon chat, comment il te regarde. Ouais, toi, je vais... Oh, toi, oh, alors, toi, je te jure que toi... Je vais te grimper dessus, attention. Hop. Attention. Alors, comment on fait? Sauter? Ah ouais. Oh, regardez-moi ça. Bon, bah là, c'est un peu... Comment dire un peu du... Bon, après, regardez, là il est parfait. Là, il est nickel, mon chat. Oh, ça mérite une petite photo, non? Vous trouvez pas? Et la stam, elle descend pas en plus, la stam. Il peut rester perché aux arbres. Ah, je suis coincé dans les arbres, mettez-moi, s'il vous plaît, je sais plus comment redescendre. c'est le chat qui miaule, il attend que les pompiers viennent le chercher. Sauf que là, le problème, je crois pas qu'un pompier va venir grimper dans l'arbre pour le faire descendre. Non, non. Il va pas oser se faire manger. Alors, pour descendre. Waouh! Ah, je suis en chat perché. Alors, ouais. Ah, ben c'est nickel ça. Par contre, après, pour la suite, on descend comment? On ressaute? Oh, mais il ressaute. Ok. Bon, après, j'ai pas de. Ouais, je suis coincé. Voilà. J'ai personne à attaquer pour faire des tests dans les arbres. Donc, j'ai pas pu essayer. Mais on essaiera si vraiment c'est ça. Mais j'ai pas vu trop d'IA venir vers les arbres, alors, à voir. Donc voilà, voilà, ouais, en vrai, sur l'épisode précédent, j'étais full adulte, déjà. Donc on continue à avoir des points, mais je crois que c'est pour utiliser les compétences. Parce que je crois que quand on fait pour les compétences, il faut utiliser F1, F2, F3, F4, je crois. Et ça nous enlève des points à chaque fois qu'on les utilise. Donc voilà. Donc on va essayer de se balader. Je vais voir si je trouve autre chose. Parce que normalement il me semblait qu'il devait avoir les hippopotames, tout ça. Ou à moins que je me trompe et ils vont peut-être les rajouter plus tard. Les crocodiles aussi, ça va être chaud. Parce que quand ils vont commencer à les mettre, si je pense qu'ils vont en mettre, bien sûr. Quand on va vouloir aller boire, on va avoir peur d'aller au niveau de l'eau. On va croire à l'Asie et on va se faire manger. Je vous ai vu les petites souris. J'ai faim, moi. Je suis un minou. Hein. Je cherche les souris. Hop. Oh, c'est plus gros que prévu, ça. Désolé. Ah, j'avais pas vu. Oui, et pour l'attaque, bah on va tenter. Hein. Mais regardez, on m'a dit de cliquer gauche. Et je clique. Hein. Ah, par contre, attendez. Mais non. Attendez, il faut que je réessaye. Parce que maintenant, quand je clique gauche plusieurs fois, quand je suis en train de l'attaquer, elle descend plus vite. Donc ça marcherait quand même. Ah, je sais pas. Et ce jeu, rien à dire, il est toujours aussi magnifique. C'est pour ça, quand il n'y avait plus de serveur, j'étais dégoûté. Et après, les commentaires, le problème, c'est que je pouvais même pas dire comment faire, parce que même moi, j'étais coincé. Hop, on va prendre mon morceau de viande, attendez. Parce que regardez-moi ça. On peut pas dire, regardez au niveau de la gueule, elle est bien ouverte, il tient bien derrière et devant correctement. Bon, pour les grosses proies comme les cerfs, tout ça, ben, c'est pas encore du top, mais c'est déjà bien. Ah ouais? Bon oui, moi je suis d'accord, j'ai mon morceau de viande dans la bouche, c'est bon. C'est trop bien fait. Après oui, on a que cet animal là qu'on peut jouer. Peut-être qu'un jour ils vont faire les autres. Bah j'espère. Parce que c'est vrai que si on joue que le léopard, à un moment je pense que tout le monde s'ennuiera. Une fois adulte. À moins qu'on peut faire des bébés, déjà là ça donnerait plus de...
De gameplay, parce qu'on pourra faire des petits bébés et tout. Je sais pas comment ça marchera avec les autres joueurs, si c'est... Ouais, à voir. Devoir l'élever, peut-être le prendre dans la gueule comme ça pour le promener. Après, c'est que le début, hein. Le jeu est sorti là il y a pas le temps. Donc, faut attendre. En espérant qu'il se développe assez vite. Parce qu'il y a certains jeux, ils sont très longs à se développer. Il y a des fois, on se lasse, hein, on attend, on part sur autre chose. Donc, allons, partons en balade. Oui, la lune, arrête de... Disparu, revenu. Toi aussi, tu joues à cache-cache? Ouais. Elle est bien faite, la lune. Hein. Mais elle a disparu, regardez. Ouais, comme ça aussi, c'est mieux, voilà. Ah oui, mais je sais plus sur, si je vais peut-être vous mettre un peu de gamme, attendez. Un peu de gamma, un petit peu, hein, pas de trop, juste ce qu'il faut. C'est comme dans la cuisine, hein, si vous mettez trop épicé ou tout ça, c'est pas bon. Eh ben les gamma, c'est la même chose. Ça devrait être bon. Voilà. Quand même, pour que vous voyez quelque chose, hein, en sachant que YouTube, il assombrit. Ce serait pas dommage que vous ayez une image toute noire. Donc, quand on nous croisait comme bêtes. Parce que normalement, il devrait y avoir aussi des lions, mais je sais pas, je crois pas qu'ils sont encore à planter non plus. Donc le seul que j'ai vu, éléphant, girafe, cerf, biche, bah, ce que j'ai dans la bouche là, c'est une sorte de raton. Moi même pas. Et quoi toi? Tu me dis quelque chose, hein. Ah, je sais plus le nom de ces bébêtes. Après les rats. Et puis les oiseaux. Et des braconniers qui veulent me tuer, mais ils sont buggés parce que... Moi ouais, je te laisse là, toi. Gaspille pas la nourriture. Voilà. Attends, toi. On va s'entraîner, il faut que je m'entraîne au combat. Ah, le saut, il déconne. J'ai pas pu faire mon saut. Ah non, je peux pas. Ah ben, je sais pas, la touche elle veut pas faire son saut, alors c'est dommage. Là, je perds pas beaucoup de stam. Ah bah, je l'ai tué avant. Ok. J'attendais pour voir au moment où il y avait le cercle pour faire clic gauche en même temps. Parce que peut-être qu'on tue plus vite. Mais j'ai pas eu le temps, il était trop petit. Ça aussi, c'est bien fait, regardez. Et là, ça va, je le tiens bien au niveau du cou. Regardez-moi ça. Comment c'est trop bien fait. Bon, de temps en temps, il y a des petits bugs. Hein. Je crois que c'est sur la vidéo avant. La précédente, j'ai eu un petit bug. La bête, elle s'est envolée. Mais bon. Regardez-moi ça. Et là, c'est papa ou maman qui ramène à manger pour le petit. Bah qui est un peu petit. Ah ouais, s'il y aurait d'autres joueurs, là, je pourrais m'amuser maintenant que je suis grand. Sur le serveur, paf, je viens, je vais le ramener à manger et tout. Parce que c'est vrai que quand on est tout petit, c'est difficile de grandir. Donc là, je suis sur le serveur, un serveur asiatique. Ah bah non, je vous ai pris tout de suite dans le jeu. Parce que je me suis mis au cas où. Ah bah regardez, là, il y a un petit problème. Voilà. Pause. Je sais plus le nom. Si vous le voulez en commentaire, je pourrais vous le mettre. Puis si c'est ça que je viens, si vous voulez que je vienne jouer, je viens, comme ça je vous nourris. Ça peut faire un petit gameplay. Alors. Bah, j'avais pas trop besoin de manger, mais bon. C'était plus pour le cercle, j'essaye de m'entraîner. Ça m'embête de laisser de la viande. Mais ce jeu-là, il n'y a rien à dire, et hop. Même si pour l'instant il n'y a que le léopard, juste pour la beauté du jeu. Après sur mes vidéos, je sais pas, j'ai l'impression que la qualité elle est pas terrible. Bah moi si je regarde mes vidéos, et dès que je mets sur YouTube, la qualité elle est un peu moins bonne que quand je regarde mes vidéos. Avant de les mettre, donc je sais pas pourquoi YouTube il fait ça, mais bon.
Bon, faut que je m'entraîne, donc désolé les animaux, mais vous êtes mes pros. Pour l'instant, je sais que j'ai vu dans les mises à jour tout ça. Les grosses bêtes comme les éléphants, girafes, on peut pas encore les attaquer. Ils ont pas d'animation d'après ce que j'ai vu. Donc, je pense que ce sera plus tard aussi. Mais bon, allez, au pire, sauter sur une girafe. Quoi, une girafe, ça peut être gérable. Si tu grimpes sur le dos et que tu sais bien gérer ton attaque, c'est bon. Un éléphant, par contre, il va falloir des coups de morsure. On va courir un petit peu, on va voir ce qu'on trouve de beau. Là, je vais vous faire une petite coupure, puis je vous reprendrai au cas où, hein, s'il se passe quelque chose. Quand même, je vais pas courir toute la map avec vous, sinon s'il se passe rien, ça va pas être marrant. Là, j'essaie juste de retrouver une petite proie pour retenter avec vous. Quand même, là. Non, c'est petit ça. Ah, ce qui est l'inconvénient aussi, c'est bien. Ils disent où ils sont les animaux, mais ça aurait été mieux de avec un scent. Parce que là, on a une flèche. Et ça casse un peu l'immersion dans le jeu. Et pour l'instant, on peut pas enlever non plus bah, les barres, tout ça, la barre de vie, santé, tout ça. On peut pas les enlever pour se sentir encore plus immersif dans le jeu. Mais bon. Mais c'est vrai que ça, ils auraient pu faire quelque chose pour la chasse. Là, il y a quelque chose. C'est quoi? Oh, la lumière! C'est tant mieux, je vais faire, je m'en vais, je reviens et je m'en vais, et puis je sais plus où je vais. C'est quoi? J'arrive pas à voir c'est quoi. Voilà, juste à cause des flèches, je sais pas c'est quoi. Est-ce que la bête elle est cachée au niveau des flèches? Je vais courir, si ça part, ça part. Ça a l'air d'être des petites bêtes. Ouais. Je veux pas des petites, je veux des cerfs. Ou des bébés biches. Oh, des bébés biches. De l'eau. Parce qu'après, une fois adulte, on se nourrit facilement. Comme on court très vite. Bon, je suis dans l'eau. Bon, ça, c'est encore un petit problème. Un petit problème de jeu. Parce que c'est quoi? Ah, voilà, c'est des Bambi. Ouais, courez, je vais vous attraper. Faut que je m'entraîne, justement. Allez, sortez de l'eau, les coquinous. Sortez de l'eau, j'ai dit. Je vais vous manger, hein. Tout ça pour rien. La nage, elle est très bien faite, hein. Rien à dire, regardez-moi ça. Je peux pas zoomer dans l'eau, mais on voit bien que ses pattes ils bougent bien, ils sont bien faits. Les mouvements. C'est pas vous que je veux. Je veux le gros point là, là. Vous voyez là, la grosse flèche dans l'eau. Si elle peut s'enfuir, elle est dans l'eau. Elle est ailleurs. Allez, va ailleurs. Ouais, allez par là-bas, vous avez raison. Faut sortir de l'eau, les amis. Voilà. Bon, moi par contre, vous m'attendez. Hein, dans 3 jours, je suis peut-être sorti de l'eau. Ça va, on n'a pas d'estam. Ah, mais il me reste 25 secondes pour la chasser. Pas cool, ça. Elle est retournée dans l'eau? Peux pas nager plus vite? Ok. Elle s'amuse. Hein. Ah ben non, elle est pas là. Elle est plus loin. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un peu moins loin là parce que la neige. Je vais faire une petite coupure et je vous reprends. Bah, elle a disparu, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai à manger, donc on va pouvoir se tenter. Je pense que je vais mettre encore un petit moment avant de sortir de l'eau. Donc je vais vous faire une petite coupure et je vous reprends après. Parce que voilà. Tout le temps dans l'eau, c'est du temps perdu, comme on dirait si bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, tuite. C'est bon, je suis sorti. On va pouvoir aller chercher. Je vais lui mettre la compétence F2. Hop, vous voyez, un petit côte arbore qui s'est mis. Normalement, c'est une attaque plus puissante. On va attaquer celui avec
serre sur la tête là. Ah, attaque. Chopé. Alors là, maintenant, on va voir. Je vais appuyer sur E en même temps au cas où. Hé, tu me tapes pas, je suis en train de tuer ton pote. Aïe, aïe. On est en train de me cambang. C'est lui. Viens ici, toi. Bon, y a même pas eu le cercle, alors je peux pas dire d'essayer. Coup de patte dans les fesses. Ouais. On sait pas. Ah ben non, il lâche là, pourquoi? Ah, il continue d'avancer. Oui, parce que si vous continuez d'appuyer sur la touche avancée au moment que vous attaquez, ben... ça lâche la proie. Ben là, il déconne. La bête, elle s'arrête plus. Au secours! Ah, je peux pas attaquer le temps que mon... léopard continue d'avancer. Ah. Ah ouais, mais arrête d'avancer, ça déconne. Vous voyez, là, je peux pas attaquer. Parce qu'il relâche tout de suite. Mais, attendez, couchez. Ah bah, je peux pas me coucher. Il y a un bug de jeu. Oh, j'espère que ça va pas être un crash. Bon, c'est pas encore terrible, hein, les attaques. Hein. Ça déconne encore un peu. Ah, vous voyez, là, je peux pas attaquer. Je le fais tomber, mais comme mon léopard continue d'avancer... impossible. Ouais, j'ai raté tes fesses, mais je te quand même, t'inquiète. Hop. Non, je peux pas, j'avance. Stop, léopard. Calme-toi. Ouais, regardez, là, je touche plus rien. Là, là j'avance tout seul. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une touche pour vraiment s'arrêter? Ah! J'avance plus. Qu'est-ce que c'est? Je crois. Ah, ben, j'ai remis en AZERTY, remis en QWERTY, ça s'est débloqué. Ok. C'est pas ça que je veux. Je veux celui que j'ai mordu ses fesses, il est là où? Ah bah tant pis, c'est toi qui prends. Ah bah si, c'est lui. Là, je le tiens. On se prépare au cas où. Bah, j'ai lâché tout seul, je sais pas ce qu'il y a eu. Bah, pourquoi tu lâches? C'est chaud! Il lâche alors que je maintiens la touche attaque enfoncée. Y'a rien à faire, hein, même en tenant cliquant clic gauche, droit. Parce que vu que c'est clic droit pour. Est-ce que c'est clic gauche pour mordre et clic droit pour sauter? Ou alors? Je fais même la touche E au cas où pour peut-être le terminer, je sais pas. Mais non, mais pourquoi il le lâche? Bon, ça déconne encore au niveau des attaques, hein, je pense. C'est plutôt ça le problème. Bah là, je l'ai lâché avant, mais il est mort. Bon, après, le temps qu'on le tue, mais c'est dommage, on peut pas se faire une jolie attaque à cause de ça. Parce que, oui, je clique au moment de la morsure, j'appuie sur clic gauche, donc il l'attrape. Après, le cercle, quand il arrive, et qu'il faut cliquer au bon moment sur le blanc, on m'a dit de cliquer sur le gauche, mais je maintiens le droit, sinon il lâche sa prise. Donc je le fais, mais ça marche quand même pas. Je sais pas. Leur attaque, elle est pas encore trop au point. À moins que vous y arrivez, mais je sais pas pourquoi moi ça va pas. J'ai même essayé avec le E au cas où. Ah là, je sais pas au moment du cercle. Hein. Pourtant, je fais comme vous m'avez dit, appuyer clic gauche, mais ça marche pas. Après, c'est pas non plus la fin du monde, regardez. Me balade avec ma morceau de viande. Mais vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Le gros cerf, regardez. Je le tiens pas comme les autres. On voit, je le tiens de côté, et c'est pas ça. C'est pas super bien maintenu. Mais c'est pas grave, hein, quand on regarde, c'est super bien fait quand même. Je traîne ma carcasse. Oui, c'est dur. On peut courir? Ouais, bon, pas trop conseillé de courir parce que ça cogne. En plus, je me balade avec, mais je sais pas où aller l'eau. Mais quand même, qu'est-ce que c'est bien fait.
vrai que dans ce jeu-là, je me répète souvent. Dans les autres, je me répète moins ce truc-là. C'est bien fait. Ah, ce jeu-là, il m'a quand même vraiment... Ben, il m'a mis sur le cul. Hein. Au niveau graphisme, la bête, elle est super bien faite. Même Artemisia à côté, il est pas moche, mais les animaux, ils sont moins bien faits que celui-là. Ouais, je me balade, je sais pas pourquoi. Je vais te laisser là. C'est du gaspillage de nourriture, mais bon. Je sais pas où il y a de l'eau. Je peux pas creuser pour faire de l'eau. Le problème, c'est qu'on voit pas... attendez. V. Sentir. Ça me met pas une carcasse, rien du tout. Ça devrait le faire aussi quand il sent. Il sait qu'il y a un cadavre quelque part. Ça serait cool, ça. Comme ça, au moins, je sais où aller ma carcasse. À boire, à boire. Mais c'est quoi ce pays sans eau? Moi, j'ai soif, moi. Oui, je vote l'eau. Oh, fin de map. Wouh! Regardez ça, je monte sur les murs. Oh, oh. Non, mais s'il te plaît. Moi, mais s'il te plaît. Je crois que j'ai fait la bêtise. Ah, non, dis-moi pas que je peux plus descendre. Si, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, voilà. Ça fait peur, il y a des murs invisibles ici. C'est un peu normal, dans beaucoup de jeux aussi, j'ai eu ces trucs-là quand je faisais des tests. À The Savannah, pendant un moment, c'était pareil, on pouvait grimper au mur. Ah, je sais plus. Je crois que Ziai aussi, une fois, ça m'arrivait. Mais c'est très rare sur Ziai. Donc, voilà. Bon, ben, par là-bas, il faut pas y aller. C'est dangereux. On se fait téléporter sur les murs. Non, mon pauvre chat, il cherche de l'eau. Parce que... Mon cœur est en pleine croissance si elle me faut de l'eau. Je sais pas si ça sert à quelque chose de grimper aux arbres. Là-bas, je crois que j'ai vu de l'eau. Oh, là-bas aussi. Ça a l'air d'être loin. C'est un relief d'eau, mais... Ou alors un relief... Ah! J'allais avoir Dumbo, mon copain l'éléphant. Hey, salut Dumbo! Ça va? Tranquille? Ouais, je veux pas que tu me marches sur ma tête avec tes grosses pattes. Ah, vous voyez, lui, il a pas d'attaque. Je peux pas le... Bah, je peux essayer. Non, je peux essayer quand même. Hein. J'ai pas envie de mourir, mais je peux l'essayer. Tu me laisses te mordre tes fesses? J'ai pas l'air. Oh! Un joueur! Oh, mais si tu parles pas en français, je pourrais pas te parler. Mais je peux lui ramener à manger. Ah ah! D'abord, je cherche de l'eau. On va aller lui ramener à manger. S'il est tout petit, bien sûr, hein, ça se peut qu'il est déjà grand. En plus, il y a des cœurs. Wow. Bon, après, comme je dis, le problème, c'est que je parle pas anglais. Donc, s'il me parle anglais, ben... Après, il y a le traducteur, mais le temps que je vais sur le traducteur... Ça va être long. Plus c'est sur l'Asiat que je suis. Asia. Ouais, parle pas japonais, alors là, c'est encore pire. Je vais pas pouvoir te parler du tout. Oui, voilà, maintenant, là, comme vous voyez, je suis full adulte. Le problème, ben, j'ai plus rien à faire. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu négatif, le jeu. C'est juste parce qu'une fois qu'on est adulte, ben, on peut plus jouer. Y a plus rien à faire. Mais bon. Où est-ce que tu revêtes, hein? Ah oui, c'est les fameux arbres qui remontent comme si t'es dans un livre. Là, tu le déplies, hop.
On va aller voir, hein, s'il faut, je vais les ramener à manger. Si c'est un petit. Je sais que ça va être dur de se nourrir au début. C'est quoi ça? Ah bah regardez. Viens ici mon petit. Attends, je reprends ma stam et je m'occupe de toi, t'inquiète. C'est bon. Oh, on va aller voir, hein. Je vais lui ramener un gros morceau de carcasse. Wow. Mais non, mais pourquoi tu l'as lâché? Bah, il retombe. Raté. Ah oui, mais vous voyez, si je tiens le clic droit trop longtemps, il refait un deuxième saut. C'est chaud quand même, hein. Non, ici, bah, arrête. Bah, il y a le spawn ailleurs. Mais non, ça marche pas. Par contre, j'ai l'air de lui faire plus de dégâts en cliquant sur le gauche. Sur le droit en même temps. Parce que là... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai perdu toute ma vie. Il se passe quoi? Attendez, je suis en train de mourir. Il se passe quoi? Oh, ça c'est une bête qui m'attaque invisible. C'est quoi? Bah, alors, j'ai rien compris. Parce que je sais qu'il y en a un deuxième qui a apparu, mais ça serait comme si qu'il était en train de m'attaquer alors qu'il y avait personne. Ok. Ah, je vais refaire une petite coupure, là, le temps de me soigner. En espérant pas mourir, hein, ça serait dommage. Mais normalement, non, je vais pas mourir. Par contre, lui, il est revenu, il était là-bas, il est arrivé là-bas. Donc, il doit être mort. Donc oui, je vais me soigner, puis je vous reprends bah, dès que je suis soigné. Je vais essayer d'aller chasser une bébête et puis essayer de rejoindre Phoenix. Donc je vous dis à toutes. Et tu... Et rue. Moi, je sais pas c'était quoi. Hein. Bah, je suis pas encore soigné entièrement. Ah, une girafe. C'est une bébé girafe. Il est là. Je sais pas c'était quoi, parce que j'ai réessayé après pour bah, justement tuer un autre, et ça me faisait encore des dégâts, alors que le cerf était couché. Donc à moins que c'est comme si qu'il me donnait des coups de corne avec ses cerfs, mais bon. Je sais pas. Et toi, tu es où? J'ai envie de courir, je vais essayer de me mettre en trottinette, en trot. Parce que j'essaie de courir, mais... le bébé biche, il s'envole. Il me fait voler en l'air, alors j'ai pas envie de mourir. Oh, mais il a l'air d'être loin. On va essayer de courir quand même. Non, vous voyez, regardez. Ah, je vais essayer de le rejoindre autrement, tant pis. Je peux pas y aller avec un morceau de viande maintenant. Je voulais, mais je peux pas. Je vais essayer de le rejoindre pour aller le nourrir. Mais oui, il y a plein de choses encore un petit peu incompréhensibles dans le jeu. Je pense que ça va être réglé avec le temps. Faut toujours se dire ça sur les early access. Surtout quand ils viennent de sortir là pour longtemps, faut se dire oh, ça va être réglé plus tard dans le temps, c'est pas grave. Souvent c'est ce qui arrive. Il faut vraiment que les développeurs ils abandonnent. Mais... c'est rare, c'est rare. J'arrive, hein, t'inquiète. Hein. J'essaie de te ramener un morceau de plainte, mais t'as l'air d'être très loin, monsieur. Les bébés, je pense. Puis si t'es pas sorti, je te mange, attention. Bon, on sort pour rêver, je peux manger de papa. Hein. On peut jamais savoir. Non, non. Déjà, j'ai du mal à tuer un dinosaure quand je joue au jeu de Geno. Oh.
J'arrive. Bon, j'essaierai pas de te prendre dans ma gueule pour te porter parce que je sais pas si ça va pas te tuer. Max, ça me met appuyer sur la touche là pour le porter. Ça pourrait être marrant. Ah, pour l'emmener à de l'eau ou à côté de la nourriture si vraiment il est trop loin. J'arrive. T'es où? Yo! Lève les pattes. Il est là. Oh, c'est un petit tout noir. Salut. Ah, parle-moi pas par côté. Viens, il y a de l'eau vers là-bas. Je vais aller chercher à manger. Attends, je reviens. Là, il est pas loin. Parce que je pense pas, il n'y a pas eu de marqueur pour moi le prendre, là. Mais arrêtez de voler les oiseaux. Pas moi, j'ai pour le petit. C'est que des oiseaux. Je vais attraper un éléphant alors. Arrêtez. Bon, je sais qu'il faudrait se mettre en crunch pour chasser, mais bon. Comme on mime. Ah, c'est normal, je perds plus de stand là. De stand. Je crois qu'il y a un problème. J'aime pas quand il y a une 5 mm. Ça veut peut-être dire que je vais crash. Chopé. Ah non. Si, je l'ai. Ah bah je l'ai relâché. Vous voyez là, normalement je l'avais pas eu. Je peux pas sauter. Si, je... Mais non, j'ai relâché. Mais t'as perdu des plumes, tu peux plus voler. Oh là là. T'inquiète, hein, j'arrive, je vais chercher à manger. Parce que des fois, t'as comme si tu chopes pas la bête et tu la chopes. Donc moi, je relâche parce que j'ai raté. Mais là, j'ai un problème de stam, elle s'en va plus. Marche lente. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais si ça peut le nourrir. Parce que je peux pas l'attraper, il n'y a pas de marqueur. Appuyer sur R. Est-ce que j'appuie sur R, ça va pas lui faire mal? Alors moi non. Parce que là, il y a de l'eau, après il reste plus 80 à manger. J'arrive. Fenki, Fenik. Après de l'eau, bah, si je peux le porter, je le ramène à l'eau. Ah, je crois qu'il va manger là. Tu fais quoi? Ça ramène à manger. Ouais, on peut le porter. Cool. Accroche-toi. J'espère qu'il va... Wow. Bon. C'est encore un peu à régler, ce truc-là. Accroche-toi, j'espère que tu tiens le choc. Pour ralentir quand c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal, bonne idée ça. Ah
Ah là, il est où? Ah, il faut le temps qu'il respawn. Ah là, bah, vas-y. Ah, c'est trop bien fait, les petits chats dans la gueule. C'est quoi ça? Reste au bord de l'eau, tu risques rien. Oh, passer sous la map. Cheater! Attends, j'arrive, hein, je cherche à manger. Parce que je sais pas le problème avec je sais pas ça barre. Bah, il est mort. Ah, oh, un oiseau méchant au-dessus de moi. Bon, après, je peux aller me chasser un gros morceau de viande et puis manger. Trop beau, c'est encore pire. C'est dommage, il y a les pseudos, tout ça, mais c'est trop bien fait. Lui, il l'a fait en noir. Ah, il a changé ses yeux aussi. Ah non. Ah, aussi un petit peu, on voit. Ça va, toi? T'as à manger? Il t'en faut encore? J'arrive. J'essaie de trouver du gros gibier maintenant qui est là. Ouais, vous courez pas assez vite, je vais vous croquer. Ouais, je vais manger pour moi. Voilà, je me mets bien, comme ça je vais pouvoir aller en rechercher un autre. Sur je laisse, parce que je sais pas s'il y aura encore assez dessus. Ah, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait le temps qu'ils sont petits. Après, je peux le transporter pour l'emmener avec moi, mais bon. Hi, ah, tu me dis salut, salut. C'est bon. Bon, je bois de la terre, mais c'est pas grave, c'est très bon la terre. Ah là, il y a à manger pour le temps de grandir, hein. Je sais pas par contre si ça lui met des points de compétence quand il n'y a pas besoin de chasser. Voilà. Je lui marque comme lui, hein. Majuscule quand même. Mais je parle pas anglais. Salut. Ouais. Et attention, on me grimpe pas dessus. C'est quand même bien, hein. Rien à dire.
Ouais, c'est un bébé adopté. Hein. Après, on peut pas faire grand-chose. Bah, on peut bouger, mais ouais. Tant qu'il grandit. Là, pour l'instant, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas les crocos pour rester tranquille au bord de l'eau. Ah ouais, rien à dire, le jeu est trop beau. J'ai hâte de le voir grandir en noir aussi pour voir ce que ça donne. Je pense pas que. Sinon, je vous fais une petite coupure, mais je sais pas si je serai. Vous le verrez grandir. Donc, ouais. Ah si, je vais vous faire une petite coupure. En vrai, je vais vous reprendre dès qu'il aura grandi le petit. Là, je vous dis à toutes. Et rue tout le monde. C'est bon, il a grandi. Ah oh bah, il a grandi. Ah non, il est là. Attendez, je prends mon petit morceau de viande. On va le mettre avec l'autre là-bas. Il va pouvoir bouger. Ah, il est beau aussi en noir. Il est beau de côté en regardant. Voilà. Regardez. Il est tout beau. Bon, ça se voit que c'est sa première taille, mais il est beau. Ah. Avec des petites moustaches blanches, tranquille. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas trop de choses à faire. Bah, sauf si, avec moi, si, je pense qu'on doit pouvoir s'attaquer si vraiment il veut être mon ennemi. Et je vois pas pourquoi il serait mon ennemi. Je suis avec lui. Il n'y a personne d'autre sur le serveur. Ça serait bien dommage. Ouais. Ah, il tremble, il a froid. Mais bon. Ah, ça va, ça va. Pas mal. Après, c'est des petits serveurs, hein. Celui-là, je crois qu'il n'y a que 4 places. Après, Europe, il y a 8 places. Ouais, va te promener, t'as grandi, c'est bien. Parti chasser aussi. Ah bah ouais, maintenant il peut, il a grandi. Ce coq qui s'est attrapé à un oiseau. Je sais pas. Je vais aller vers lui. Et ben les corps ils vont pas disparaître, c'est pas grave, après on peut en rechasser facile. Covid? Bon, ça donne par lag, alors je sais pas si c'est normal. Les pseudos ils sont peut-être en trop dans le jeu. Bon, pour se repérer, c'est sûr que c'est mieux. Mais comme toi, qu'est-ce que t'as vu? Ils sont loin, je crois. Ça nous a déjà repéré, c'est ce que tu veux là-bas, les trois flèches. On va essayer, hein. Je vais avec lui. Ça, en vrai, il faut se mettre chacun à côté. Après, je vais sûrement arrêter, je pense, ça sera bon. Hein. Abonnez-vous, il te dit. Mais j'ai pas grimpé aux arbres, je me rappelle plus. Ah bah si, c'est bon, j'ai grimpé aux arbres. Je croyais que j'avais oublié de vous le montrer.
Ouais, grimpe plus aux arbres, Moïcha. Il est trop... Mais non. Je crois que tu peux encore ramper longtemps, hein. Ils sont loin. J'ai pris loin pour aller chasser. Mais je sais pas, il a pas voulu grimper aux arbres. Mais même mon attaque tout à l'heure, j'ai dû faire une décoroco, je pouvais plus voir. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur le jeu. Ah, c'est les aléas des early access, hein, on va dire. Oh, je m'en plains pas après. Bah, sauf si je peux pas manger, ça serait dommage de mourir bêtement. On sait même pas c'est quoi que tu veux chasser. Il y a quoi là-bas? T'as vu quelque chose là-bas? Je vais avancer, moi. Ils ont l'air loin. Ah bon. C'est peut-être des oiseaux. Il pourra pas les attraper. Là-bas. Quelque chose de bien là-bas. Il t'a déjà vu. Allez, attrape-le. Vas-y, cours, il t'attrape, il sauve. À ton tour. C'est vrai qu'à la vitesse des animaux... Ah bah il l'a eu, lui. Voilà. Je peux grimper avec ça sur ma gueule. J'ai un problème de yeux. Mais j'ai un problème ou je peux pas grimper aux arbres aujourd'hui? Si, c'est bon. J'ai un perché. En plus, avec sa proie. Ça tue. Allez, viens à l'arbre. Est-ce qu'elle répare mon morceau de viande? Si elle va bien. En vrai, il faut attendre quand on saute parce que quand on appuie et qu'on continue à avancer. La bête, elle marche sur l'arbre et on tient pas. Faut qu'il s'arrête. Ah non, arrête-toi. Ton chien va s'agripper. Le problème, je peux pas lui parler. Ce que j'ai remarqué, parce que quand on saute, on continue et qu'on continue à avancer, le chat, il marche sur l'arbre, comme lui est en train de faire en ce moment. Il faut s'arrêter le temps que le chat s'agrippe avec ses griffes. Attention, c'est des chats. Voilà. Ah, je suis bloqué. Oh, aidez-moi. Voilà. Ah ouais, faut que tu chattes à l'arbre. Hop. T'attends. Et tu grimpes. Avec un morceau de viande dans la gueule. Voilà, arrête-toi. Avance plus. Lâche. Ah, je peux pas lui parler et puis il n'est pas en français. Parce que là, oui, il continue. Voilà. Il s'est arrêté 2 secondes et là, il s'est agrippé, ça y est. Hop. Et après, il faut appuyer pour avancer. Et après, on appuie sur pour reculer. Et on re-shot pour se détacher. Bah, c'est comme ça que j'ai vu. Voilà. C'est trop bien fait, hein. l'eau, elle était par là-bas, je crois. C'est vrai qu'il est beau le jeu. Après, je sais pas, il a l'air d'être un peu bizarre au niveau de mouvement des plantes. J'espère que ça va aller pour vous, que c'est pas trop lagué. Il court aussi. On va retourner un peu à l'eau, j'ai soif. Pas trop, mais comme après, si on bouge, s'il n'y a pas d'eau aux alentours, on va mourir de soif. Hop. Voilà. Ben nous, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai trouvé un petit, c'est déjà bien. Oh, moi, ça fera pas une petite vidéo tout seul.
Ah oui, faut que je continue à voir. En plus, en noir, il est pas moche, il est beau aussi. Ça va. Voilà. Se remplit bien. C'est vrai qu'il fait encore petit à côté du mien, le mien il est énorme. Ah mais il finit sur A. Parce que normalement après, comme signe d'amitié. Ouais tu lâches, mais ça aurait dû faire un truc que mon... Léopard se met à côté de lui pour le lécher, voilà. Parce que là, je lèche dans le vent. Donc, l'amitié, j'ai léché l'air. Il tremble. Je sais pas pourquoi il tremble. T'as froid? Regardez le pauvre. J'ai froid. Ouais. Vélo. Bah nous on va s'arrêter là, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et si maintenant vous voulez jouer, d'après ce que je vois, les serveurs sont de retour. Donc vous pourrez comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était The John sur Lightning Fast. Et on se retrouve pour un très prochain épisode. Après là, je sais pas trop quoi faire vu que c'est vrai qu'il n'y a que le léopard. J'ai pas vu d'autres animaux pour l'instant. Je ferai peut-être un tour tout seul dans mon coin. Et je verrai bien si je vois quelque chose, je vous le reprendrai en vidéo pour vous le montrer. Mais sinon, c'est vrai que le jeu, ben, à plusieurs, ça peut être bien. Parce que on chasse, on s'occupe l'un de l'autre, voilà. Mais après, sinon, le temps qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour avec d'autres bêtes, ça va peut-être être ennuyant. Je vous dis à très bientôt. Ciao!